traité chanté frappé elle. Cependant, le lever matin, là le pour un petit activité, pour un bouquet, il y a le petit de l'eau. Et puis il vient, il sent pas de gagner, il va dormir. Et malade. Et pendant le fait de faire pote là, et puis il sent mon rejetement prendre. Pendant le rejetement prendre, et puis il a fait remettre pour lui. Et pendant là, il a dit aussi tout. Et nous partons avec lui pour nous faire une moto dans l'hôpital de Kouessa. Et là, nous vivons. Il prend premier sur un, prend deuxième sur troisième, non, petit. Petit, non. Petit, petit, ah, bon, nous taper en mandat assainement pour nous, tal bali dans morgue. Il dit non, pas qu'il fait morgue pour maladie ça, parce que maladie attrape mieux. C'est là qu'il peut nous tourner avec. Nous prenons un brancard, nous arrivons, et sur le métier, papa est tout là, grand-papa est tout là, nous bichons. Et pour comprendre bien ce qui passe, il faut qu'on réfère à l'importance de l'eau pour la population. Et la Tibonite, c'est là où il y a une plus grosse rivière qui passe dans le pays. La population, c'est la rivière qui a comme principale source de l'eau. Et l'utiliser de l'eau pour faire irrigation, pour produire du riz, l'utiliser de l'eau pour le bête, bétail, bois, utiliser de l'eau pour le bois tout, comme de l'eau potable. You can see the base is here and it's right next to this tiny river, this tiny stream. Somewhere along here, one of these buildings, an outhouse, didn't contain whatever waste was there and it fed into this stream that fed into the rest of this large river valley. Soldiers from halfway around the world where cholera exists in a kind of stable way, India, Bangladesh, Nepal, in some of these places, cholera is a continuous problem. Hasn't been in Haiti for over 100 years. It's not something we knew anything about. The soldiers come to this little base, and we know from genetic tests on the germ that the same strain of cholera that's now an epidemic throughout this country is the same strain that came from Nepal, came through these soldiers' bodies and into the river system. Et Nations Unies dit, dans, particulièrement dans le rapport Espéroa, que c'est parce que Haïti a un problème et infrastructure, question de l'eau potable. C'est parce que Haïti est vulnérable. Mais écoutez, ça n'est pas une excuse. Au contraire, c'est pas, mais si on est Haïti de vulnérable, il doit éviter que la maladie ça vienne en Haïti. This is a 19th century problem. It's not a 20th or a 21st century problem. Of course the UN knew that they should keep their sewage safe, that they should decontaminate wastewater before it goes out. The UN knows how to build an outhouse. The UN knows how to build a sewage system. Nations Unies est responsable, yo té négligent. Et c'est puisque gen négligence, puisque gen faute, il faut gen dédommagement, faut gen réparation. Cependant, suivant accord qui signé entre l'État haïtien et Nations Unies, et soldats yo, soldats ministères yo yo et gain immunité, mais immunité a pas impunité. C'est deux barrières qui diffèrent, immunité et impunité. So is the UN doing everything that they could to stop the epidemic now that it started? They're not. The response has not been up to the problem. If it were, people wouldn't be dying at the rate they're dying. Currently this epidemic, the one that we're in the middle of, is the largest epidemic in the world. The UN peacekeeping mission spends, to my knowledge, about $2 million a day. So in a year, that's about $700 million. The water systems repair is maybe an $800 million or a $1 billion intervention. Not a soldier or politician, but without military in need, it seems that the UN could and should invest that money into water systems and get right at the root of the problem. And it would change Haiti for some generations if that would happen. Nations Unies qui ont responsabilité pour éradiquer le choléra. L'elle va faire construction, infrastructure, pour nous rajouter une bonne eau potable pour boire, pour gagner assainissement fait dans le pays. Et ça fait la population, les gens qui sont victimes de choléra, ils ont mobilisé et pour que ils joignent justice. Et justice, ça pas seulement pour eux, mais pour l'autre pays, et qui peuvent être en Haïti, et qui sont victimes de la même situation. Ça. Même si nous avons demandé pour nous faire, nous ne pouvons pas souffrir contre encore.
nous pas souffrir côté encore parce que ça dédommagement nous mandé pour tout suite pour dédommager nous pour tout ça vous avez perdu pour rentrer li parce que moment choléra tout le monde qui était malade yo si yo ouais nous mérité kay pour faire mal déjà mal parce que nous avons perdu. Et déjà fini perdu.